qualifier le point de la réunion du vaisseau et quels sont les avantages, quelles actions doivent-ils mener afin de faire en sorte que le développement humain soit rehaussé d'une manière considérable, surtout quand on sait que la région du vaisseau est une région de toute une stratégie pour le Niger, vu ses distances avec les côtes maritimes. C'est la région où on a plus d'importations vers les pays côtiers. En outre, avec le nouveau programme du président de la République, avec la mise en place de la construction du chemin de fer et les Prosec qui est en horizon, il est incontestable que la région du Vaisseau va connaître un essor économique considérable, mais aussi, il ne faut pas perdre de vue que l'économie n'est qu'un aspect quantitatif et le côté qualitatif aussi atteint cette région du Niger qui est troisième en indice du développement humain, c'est-à-dire qu'il faut scolariser davantage les jeunes filles, promouvoir la santé de la région du Vaisseau.